quoi joue l'État avec la SNCM? C'est la question que l'on peut se poser après l'échec d'une importante réunion stratégique pour l'avenir de l'entreprise, réunion dans laquelle l'État devait se positionner sur la commande de navires au chantier de Saint-Nazaire afin qu'on puisse avoir ce renouvellement, cette modernisation de la flotte qu'on attend pour que la SNCM reparte du bon pied. Eh bien, on n'a pas eu cette décision de l'État, sans doute parce qu'aujourd'hui, on est dans une période d'attentisme. Il y a les élections municipales qui approchent et on ne veut pas prendre le risque du côté de l'État de soulever Marseille avant ces élections par des décisions qui seraient trop défavorables pour la SNCM. Alors ce n'est pas un non aux commandes de nouveaux bateaux, mais ce n'est pas le oui qu'attendaient les syndicats et les salariés. Et on a bien l'impression qu'aujourd'hui, la SNCM est dans ce jeu d'ombre, dans cet attentisme très désagréable et très dommageable, bien sûr, pour une entreprise qui n'a plus de temps à perdre aujourd'hui pour se remettre dans le jeu de la concurrence.